Petit résumé à chaud de PSG-OL, la finale de la dernière coupe de la Ligue de l'histoire. Que dire de ce match? On s'est bien ennuyé, hein, pour pas dire autre chose. À chaque fois qu'il y a des occasions, c'est raté, le match tout le temps coupé par des fautes, franchement. Donc voilà, ça tente par-ci par-là, première mi-temps, il se passe rien. Deuxième mi-temps, ça fait des fautes, tout ça. Après, il y a Thiago Silva qui sort parce qu'il a failli être blessé, Icardi qui sort, Marcelo, je crois, qui sort pour faire passer Raphaël. Raphaël, qui cette deuxième mi-temps, là, il a servi de punching ball. Il s'est pris carrément un pied dans la bouche. On l'a tapé de partout. Il n'y avait aucune faute. Après, il y a Bertrand Traoré qui rentre. Ça, je ne comprends pas de changement. Bertrand Traoré, il a vraiment été nul, là. Ils ont vraiment dû faire rentrer Reine Adélaïde. Mais vraiment, il était nul. Ça tentait des attaques sur Toko Ekambi, Traoré, qui n'était pas si folle. Et là, tout à la fin, ça presse pour le PSG. Et Raphaël, qui en a marre de se faire frapper de partout, finalement, qui fait une grosse faute et carton rouge. Carton rouge et une faute aux abords de la surface, donc carton rouge et très gros coup franc. Il est tiré par Di Maria. Mais ça passe au-dessus. Après, ça finit, il y a les prolongations. Les prolongations, pareil, il se passe pas grand-chose, comme l'image de tout le match, en fait. Et après, les tirs au but. Enfin, les tirs au but. Et donc les tirs au but, chacun marque son petit tir au but, Anderson après le PSG, OL, PSG, jusqu'à ce que ça fasse 5-5. Et là d'un coup, on voit Bertrand Traoré qui se prépare à tirer son tir au but, on se dit « Ah, ça y est, ça va s'arrêter là, le suspense », et effectivement, Navas l'arrête. Et du coup, juste après, c'est à Pablo Sarabia de tirer son penalty, il le réussit, et le PSG remporte la dernière Coupe de la Ligue, et sa cinquième je crois. Et réalise le quadruplé Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France. Et il y a encore la Ligue des Champions qui vient. Bon, on verra ce que ça donne contre l'Atalanta, mais là, vraiment une bonne saison pour le PSG. Et c'est donc le dernier trophée en France, en tout cas, avec le PSG, pour Thiago Silva. Donc voilà, ce match pas fou finalement, on s'attendait à mieux. De la part des deux équipes. C'est vrai qu'on avait un petit manque, il n'y avait pas Cavani, pas Mbappé. Ça a du mal quand même sans Mbappé. Donc voilà, on a passé plus de 2 heures à s'ennuyer devant notre télé. Ah oui, aussi j'allais oublier, Reims s'est qualifié en Ligue des Champions, comme Lyon a perdu la Coupe de la Ligue. On verra bien ce que ça donne. Allez, je vous dis salut! Et la prochaine fois qu'on se revoit, c'est pour les 1 an de la chaîne, normalement. Allez, salut! Et abonnez-vous, mettez un like et partagez bien sûr.